Salut à tous, aujourd'hui jour un peu spécial, on va faire une expédition sur un glacier. Ça va nous prendre un peu de temps, je pense la moitié de la journée, on en a pour à peu près 5 heures. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, tu chopes le gars et tu passes la sonde à l'intérieur comme ça. Avec l'accent islandais, ça fait Breiða Merkurjökull. Breiða Merkurjökull. Là on est en train de marcher sur le glacier, c'est les premiers pas sur le glacier. Logiquement on a une demi-heure, une heure de randonnée avant d'arriver à l'intérieur de la grotte. Et c'est déjà super beau, c'est tout bleu. On commence juste à marcher sur la glace bleue et c'est magnifique. C'est un truc de ouf. Ouais, celle-là, c'est là, assez bleu, là, ouais. Hallucinant à quelle vitesse elle a changé cette grotte. Ah ouais? Ouais, en 3 ans, c'est n'importe quoi. Il y avait des ouvertures avant ou non? Avant, il y avait des ouvertures, mais elles étaient bien plus petites. Ok, ouais. Et au plus ça fond, et au plus en fait, les ouvertures elles grandissent, et ça te fait des. La grotte elle est en évolution constante en fait. Ok, ouais. Les grottes, c'est des tunnels d'évacuation de l'eau de glace en fait, okay. De l'eau des glaciers. Quand les glaciers y fondent, l'eau que ça va créer, en fait, ça va se déplacer dans la glace et ça va créer ses propres tunnels, en fait. Ah ouais, okay. Ses propres canalisations. Ouais, du coup, cette cendre qui est là, elle date donc de l'éruption du plus gros volcan, enfin du plus haut sommet d'Islande qui est juste à côté de nous, en fait. Donc il y a plus de 600 ans, ouais. Cassera. Tu vois, tu touches. Et à la surface, t'as un vrai dépôt de cendres volcaniques en fait. T'as que ça. T'as l'impression que c'est tout lisse et que c'est tout propre, mais en fait, t'as vraiment plein de cendres. Et genre, cette cendre-là, elle date d'il y a 700 ans. D'ici 30 ans, peut-être que cette langue glaciaire, en fait, elle n'existera plus. Donc, elle sera. Le glacier, il sera au niveau de la calotte glaciaire, en fait. Depuis tout petit, j'entends parler du dérèglement climatique et de la fonte des glaces. Depuis, la situation ne s'est pas améliorée. Être sur place et constater à quelle vitesse ce glacier disparaît m'a profondément touché. Guillaume sillonne ce glacier depuis maintenant 4 ans et assiste en première loge à cette catastrophe écologique. D'après lui, ce glacier reculerait d'en moyenne 300 mètres chaque année. Les grottes de glace que nous avons visitées ce jour-là n'existeront sûrement plus l'année prochaine. Quand je suis arrivé ici il y a 3 ans, le glacier était allait au-dessus de la rivière et c'est là-bas qu'il y avait la grotte en fait. Donc au-dessus de la cascade aussi? Ouais, au-dessus de la cascade et on faisait des tours dans cette grotte-là en fait. Ah ouais? Qui était là-bas. Ouais. J'ai fait des tours pendant 2 ans dans cette grotte et l'année dernière, elle a disparu. L'année dernière? Ouais. Donc tout ça, ça a fondu. Ouais. Bah, là, tu vois où il est le glacier? T'as quoi? T'as le une glacier, dizaine de mètres, il a 150-200 mètres de la rivière. Ouais, ouais. C'est les gravats qui sont un peu gris là. Non? Et en hauteur, ouais. T'as une dizaine de mètres qui a fondu aussi facilement. En hauteur, je dirais, le glacier dans sa. Dans son épaisseur, il perd environ 8 mètres d'épais par an. Ouais. Oh. Il est bouillon. C'est sympa de vous avoir. Merci d'être venu. C'est marrant, on dirait du terreau quasiment. Ouais, quasiment du terreau. Ça fait super terreau. Aujourd'hui c'est le dernier jour en Islande, je suis un peu nostalgique. On va
va aller rendre mon matériel de location, on va aller rendre la voiture. Et aujourd'hui, je vais rencontrer quelqu'un d'une association qui va nous parler du ramassage des déchets, qui va nous parler de l'écologie, de la protection de l'environnement, pour compléter ce que nous a dit Guillaume du Glacier d'hier. Thomas a créé The Blue Army il y a une vingtaine d'années. Son organisation lutte au quotidien pour la protection de l'environnement en organisant notamment des opérations de nettoyage des plages islandaises et des fonds marins. I'm not going to blame the tourist for trashing Icelandic nature anyway. Because it's not only because of them. I think that the human behavior of each individual, if you are a trashy human, you're gonna be trashing somewhere else. Yeah. In Iceland, it is prohibited to trash, or you get fined $500 if you are caught. If you would have some massive propaganda, there would be less trash in these tourist sites where people get together. Okay. Make sure that you act like a human should act. Meaning, you're not supposed to go there to be a trashy person. If you have a bag in your hand, put it in your pocket and then put it in a proper place where it will be recycled. It's on the trash. But not throwing it on the ground. For sure. And we can adapt to this everywhere we go. If I go to France or Spain or wherever, I don't throw trash on the ground. Yeah, it's the same heart. So it should be the same everywhere. Yeah. But there's also this system here. If there was a deposit system so that you could bring back your trash and get it recycled in a proper manner and maybe get some refund. Mm. We cannot do this anymore with Mother Nature. She is suffering now. Our planet is suffering because we don't have enough respect. I was looking at the glacier and I was telling me if I have some children on the future, you know. Yeah. That's what I want to show them. But I'm not sure about if there's going to have a glacier 10 years, 20 years in the future. We are not sure about this and we have to preserve all that things. The human race is in front of a sign now, and this sign says stop. Mm. And access passing this stop sign is forbidden until we have turned around and cleaned up. Mm. Otherwise this planet is gonna go bananas. We have a big thing in front of us to fight for. And there is more and more people all around the world more conscious about this subject. So let's just say that we can unite and try to save this planet. Yeah. And there will be more and more. Cool. Because the more people joining, the more voices heard. For sure. And, and because it's starting to be dramatic. Yeah. Yeah. It's now. The moment is now. Grâce à la mobilisation des bénévoles, plus de 1200 tonnes de déchets ont pu être recyclés à ce jour. Comme a pu le constater Thomas, l'activité industrielle est la principale cause de pollution de notre planète. C'est donc les industriels et nos gouvernements qui ont le pouvoir de faire changer les choses rapidement. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés à attendre qu'ils prennent les bonnes décisions. Si chacun d'entre nous prenait la décision d'adopter un bon comportement au quotidien, les chances de laisser une planète habitable aux futures générations augmenteraient. C'est pourquoi chacune de nos actions compte. Changeons notre manière de consommer, réduisons notre production de déchets, recyclons les déchets que nous produisons, ne jetez plus vos mégots de cigarettes par terre, ne faites pas dans la rue ce que vous ne feriez pas chez vous. Je ne prétends pas avoir l'influence de Beyoncé, et cette vidéo ne fera pas changer les choses du jour au lendemain, mais j'espère au moins avoir pu vous montrer à quel point notre planète est belle, mais est aussi en danger. Je compte sur vous pour assimiler et peut-être répandre ce message à votre entourage, afin de la préserver. Je pense qu'il est encore temps d'agir.